tout ce que vous allez voir s'est vraiment passé entre le lundi matin et le vendredi soir. Je vous explique. Christine Bravo va plusieurs fois par an aux États-Unis parce qu'elle adore l'Amérique. Du coup, quand on a su que Christine voulait faire découvrir à son assistante et grande amie Françoise la côte ouest des États-Unis pendant les vacances, on a demandé à s'incruster et elle a accepté. Mais vous êtes des ploucs, vous savez pas ce que c'est ? Un road trip de 5 jours en décapotable. C'est notre bagnole que tout le monde regarde. Ouais. De San Francisco à Los Angeles pour finir à Las Vegas. De la prison d'Alcatraz. Ça, c'est la punition dans la punition. Au mythique Bagdad Café. Elle dit que si quelqu'un vient l'emmerder, elle défouraille. En passant par Beverly Hills. C'est tape à l'œil, hein. Dis donc, toi, tu dis que c'est modeste. Christine et Françoise ont passé leurs vraies vacances en étant suivies en permanence par un journaliste, Arnaud. Ça filme, là. Ça, j'en ai marre, putain. Par un assistant, Julien. Jamais nous dépanner. Et par un caméraman, Arnaud. Toi, t'as l'air le ravi de la crèche. Pendant une semaine, ils ont tout vu, tout entendu et surtout, ils ont tout filmé pour en faire une vraie émission de télé. Tiens, viens essayer ça. Quoi, c'est quoi? Bah, le branleur, là. Et croyez-moi, quand Christine et Françoise se prennent pour Thelma et Louise... Trop cool! Thelma et Louise! Ça vaut forcément le détour. Et là, c'est le technicien de ma chambre qui est en train de réparer les toilettes. Et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ah, c'est pas possible, Françoise, merde! Où on va, là? Que ce soit en vélo, en voiture, au shopping ou sur les traces des plus célèbres serial killers américains, Christine et Françoise sont restées égales à elles-mêmes avec leur franc-parler... Je veux pas faire le Urban Safari, là, avec les blaireaux. Et vous n'allez pas en rater une miette. On est dans la merde grave.